Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc configuration un petit peu particulière parce que déjà là je filme plus avec ma caméra. Je me suis aperçue juste avant de filmer qu'elle était cassée. Je l'ai branchée sur secteur, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Du coup là j'ai pris mon téléphone professionnel pour pouvoir vous enregistrer cette vidéo. Puisque sur mon portable personnel, j'ai plus de place. Voilà, petit aparté, juste pour vous dire ça. Et aujourd'hui, alors oui, ne prenez pas peur. En fait, j'ai eu une grosse fatigue. C'est, on va dire, 2, 3 derniers mois, surtout ces 2 derniers mois. Ça a été assez chargé au point de vue travail pour moi. Et quand je suis fatiguée, ça arrive heureusement pas souvent, mais moi j'ai ce qu'on appelle ça de l'herpès labial. J'ai un bouton de fièvre, voilà, qui apparaît. Et celui-là était assez costaud. Donc j'ai rien fait. Je l'ai laissé vraiment tel quel. J'ai essayé en tout cas de me reposer. C'est pas toujours évident, mais voilà, bientôt les congés enfin. Et du coup, au moment où je me suis rendue à la pharmacie pour acheter un produit chimique pour essayer de soigner ce bouton de fièvre ou du moins diminuer les symptômes, faire en sorte voilà, qu'il cicatrise le plus vite, il était déjà cicatrisé. Donc quand il est cicatrisé, qu'il y a la croûte au-dessus, il ne faut rien faire à part hydrater, mettre un petit peu de crème ou d'huile et la croûte s'enlève d'elle-même. Voilà, au bout de quelques jours. Donc là, j'ai encore un restant de croûte et ça commence petit à petit à se guérir. Donc voilà pour cet aparté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo beauté slash haul. Je vais vous présenter un petit article mode. Et puis voilà. Hein. Ce sera évidemment la dernière de l'année, enfin le dernier haul de l'année. Je vous ai fait un précédent haul par rapport au Black Friday, donc qui est mon avant-dernière vidéo, enfin la dernière donc avant celle-ci. Et puis j'ai surtout acheté en fait un peu après. Alors on va commencer tout de suite par le colis Bazar Bio. Ça d'ailleurs je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Certaines savent ce qu'il y a dedans, mais bon voilà, si vous me suivez, ce sera pas une surprise. Ah j'ai oublié de les prendre. Et oui. Voilà, donc je les ai récupérés. Ils étaient dans mon frigo. Donc, mon colis Bazar Bio que j'ai reçu cette semaine. Oui, je crois, cette semaine. Alors, j'ai commandé, en complément de ce que je vais vous montrer après. Non, je vais d'abord vous présenter l'objet en fait de ma commande et ensuite je vous présenterai le reste. Donc j'ai pris les Cryo Face, c'est ça s'appelle comme ça. Face Cryo, je vous l'ai dit à l'envers. Donc de chez Bazar Bio, donc c'est elle qui a développé ce produit, donc Elena, c'est la cryothérapie du visage. Donc quand vous le recevez avec le paquet comme ça et ça se présente comme ceci. Donc pour celles qui ne savent pas, en fait, c'est de la thérapie par le froid. Et ce sont, alors ma fille, elle me dit que ça ressemble à des castagnettes. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'était dans mon réfrigérateur, donc dans la boîte. Moi, je les sors une demi-heure un petit peu à l'avance. Je les essuie un petit peu parce que là, vous voyez, il y a un petit peu de glace. Et ensuite, voilà, je me les passe. C'est hyper agréable. Ça fait 2 jours que je le fais. Je le fais surtout le soir en fait, mais idéalement ce serait vraiment bien de le faire le matin. Alors ça a plein de bénéfices, je vous les listerai là comme ça, mais entre autres ça resserre les pores, ça a une action également sur les cernes. Moi j'ai un petit peu les yeux gonflés le matin, ça va venir stimuler le collagène, l'élastine, enfin ça donne un teint glowy. Moi c'est en tout cas vraiment ce que j'ai remarqué sur les quelques utilisations que j'ai pu en faire. Ma fille me disait, parce que je l'ai utilisé hier soir, et elle c'était pour s'amuser aussi, parce qu'elle aime bien le froid. Donc après, voilà, il y a une technique, je vous présenterai tout ça. Elle me dit, ah, maman, t'as le teint un petit peu plus blanc, donc slash frais. Voilà, donc ça, c'est les termes d'une petite fille de 8 ans. Donc voilà, c'est comme ça, il faut faire gaffe, hein, parce que ma fille les a fait tomber. Enfin, elle en a fait tomber un par terre. On a du carrelage, donc bon, ça va, c'est pas cassé. À l'intérieur, il y a un gel qui permet de garder
le froid, c'est vraiment super agréable. Là, je ne vais pas les utiliser parce que je suis maquillée. Mais voilà. Alors, le prix, à eux seuls, ils sont à 60 euros. C'est quand même un budget pas donné. Et là, il y avait une offre assez intéressante. Je crois qu'elle est encore d'actualité, il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos si besoin. Donc, c'est en fait un tote bag. Donc, je l'ai aussi. Hein, donc, une sacoche en tissu et qui se referme, qui est top. Moi, je vais faire mes courses avec. J'ai un magasin juste à côté. C'est super pratique. Et vous aviez donc à l'intérieur, évidemment, donc c'est Face Cryo. Je vais refermer. Hop. Alors, oui, ben voilà, c'est marqué. Donc, ça réduit les poches, ça augmente la circulation sanguine, ça réduit les inflammations et ça apaise la peau. Alors, faites attention si vous avez la peau peut-être hyper fragile, avec des rougeurs, etc. Y aller tout doucement. Il ne faut pas que ce soit non plus trop, trop froid et insupportable. Hein. Il y a aussi des degrés de fraîcheur. Ça stimule la production de collagène et ça diminue l'apparence des rides. Oui, ça a un côté un petit peu aussi liftant. Ça favorise le drainage lymphatique et l'évacuation des toxines, voilà, pour apporter de l'éclat au teint, voilà, et dégonfle les traits. Et effectivement, un teint glowy, c'est vraiment ce que ça apporte. Et bah, c'est comme tout, hein, faut être régulière, je pense, pour ce genre de petites choses. Donc voilà, chez Bazar Bio. Alors c'était donc pour 60 euros d'achat. Je crois que vous aviez également, pendant tout le mois de décembre, un produit en full size gratuit. Donc là, c'est. Mais est-ce que je voulais. Non. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Donc c'était un produit de maquillage de la marque Olio. Olio Esso, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était un produit qui était ajouté évidemment dans le colis. Alors j'ai pris donc en parallèle pour arriver en fait au certain montant demandé, je crois que c'était 60 euros ou 70, je ne sais plus exactement. J'ai pris de la marque Kiki Health du MSM. Donc le MSM, c'est bien pour les cheveux, hein, entre autres. Donc je vais tester, sachant que là actuellement je suis sur une cure de. Contre la chute de cheveux, d'un truc que je ne sais plus comment ça s'appelle, bah je ne sais plus, j'ai oublié le nom, qui marche très très bien, je vous en avais déjà parlé. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Bon voilà, à tester, je vous en dirai des nouvelles. Alors, à l'intérieur aussi, vous aviez un tas de petits produits de voyage. Format voyage. Donc ça, c'est le Tata Harper. Alors c'est quoi? C'est un nettoyant régénérant. Format 15 millilitres. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, il y a des choses que je ne connais pas du tout. Le Wello Australia The Super Elixir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Aussi, j'irai voir. Je ne me suis pas encore penchée sur la question. Mais il me semble que c'est un genre de complément alimentaire, je crois. Hein. Il me semble. Si vous avez acheté le tote bag, n'hésitez pas à me le dire. Il y a également un produit de la marque Rennes qui est. C'est quoi ça? Instant Firming Beauty Shoot. Bon, voilà. Ensuite, un petit produit de la marque. Ça, c'est une huile, la Young Serum de la marque Age en Nature, que j'aime pas trop en fait celle-ci. Enfin, c'est pas un coup de cœur. Et puis là, Laurel. Alors, c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur? J'avais déjà regardé, mais je ne les ai pas encore utilisés. C'est le sérum pour les yeux, contour des yeux, de la marque Laurel. Donc, dans un petit pochon. Voilà, j'ai trouvé l'idée vraiment assez sympa. Surtout que moi, je lorgnais sur ces Cryo Face depuis sa sortie, en fait. Certaines personnes les connaissaient avant. Moi, je ne connaissais absolument pas l'existence. Alors, je suis assez adepte du froid, puisque. Le froid va venir renforcer l'organisme par le principe de l'hormèse. Donc finir par exemple sa douche par un jet d'eau froide, y aller bien sûr progressivement. Moi j'aime bien ça. Ensuite ici vous aviez un autre petit pochon de la toujours Bazar Bio avec pas mal de produits hydratants. Donc ça c'est un hydratant profond. Voilà, c'est des petits échantillons. Ah ben voilà, il est là le cadeau. Je l'ai retrouvé. Donc c'est la marque Olio et
et au seau. Et c'est un blush qu'on peut utiliser également sur les lèvres et je crois sur les yeux. C'est un multifonction, la couleur est très jolie. C'est quoi la couleur? C'est le numéro 9, je crois que c'est en numéroté comme ça. Non, Spring. Voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà, il va falloir que je déballe et que je range tout ça juste après. Et puis un dernier petit échantillon de la marque Dr. Bronner. Et puis pour terminer, hop, ça c'est un petit bandeau ou un cache-yeux, je ne sais pas, en soie. Voilà, de chez Bazar Bio aussi. Donc voilà, je range tout ça et je vous montre la suite. Alors, on continue par un produit de la marque SVR. Donc, comment je suis passée enfin, j'ai toujours été très, 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 très puriste, moi, sur les produits green, faire très, très attention aux compositions. Sauf que là, maintenant, déjà depuis plusieurs mois, j'utilise le rétinol. Donc, ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Et moi, j'utilise celui de la marque Satin Naturel, donc en version green entre guillemets, sauf que dans ce rétinol, donc c'est un mélange également avec d'autres produits, avec de l'aloe vera, avec je crois qu'il y a l'huile de jojoba, etc. Et je ne connais pas le pourcentage de rétinol qui est à l'intérieur. Cela dit, chez moi, il fonctionne pour l'instant très très bien. J'utilise moi depuis le mois de septembre. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard au niveau des effets que j'ai pu voir sur ma peau. Et donc, en parallèle, j'ai découvert la chaîne YouTube de Cyril Laurent. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, probablement que oui. Il fait vraiment un tabac, mais à juste titre, hein, c'est un jeune homme, voilà, qui parle des produits de beauté, mais avec un regard, je dirais, assez scientifique, hein, c'est son métier. Je crois qu'il est chercheur en biologie des cellules souches, un truc comme ça. Il est très, très calé, hein. Voilà, ça a été son métier en tout cas pendant plusieurs années. Et il décrypte les produits, on va dire, dans la sphère un peu plus conventionnelle. Et le produit de la marque SVR, donc il en parle aussi. C'est une marque française, hein, je crois. Il a fait une vidéo qui s'appelle. Alors attendez, comment elle s'appelle sa vidéo? Les meilleurs toniques, essences et sérums hydratants. Et je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo avec attention, notamment si vous. J'ai envie de dire, si vous utilisez ou la trétinoïde ou le rétinol, d'aller voir cette vidéo qui est vraiment excellente. Et du coup, voilà, moi j'ai pris ce sérum qui s'appelle Ampoule Hydra, qui contient trois formes d'acide hyaluronique, dont une forme apparemment qui serait molécule assez grosse et qui serait ultra hydratante. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la pipette. Et je ne l'ai pas encore utilisé, hein, je vous le dis, ça fait 2, 3, 4 jours hein, que je l'ai acheté, c'est tout à fait récent. Mais je compte du coup l'inclure dans ma routine, puisqu'il me reste un petit peu de rétinol. Là, j'arrive vraiment sur la fin du pot. Donc voilà, il contient donc trois formes d'acide hyaluronique. C'est vraiment un produit qui est très cher à son cœur, en tout cas qui plébiscite. Vraiment, et il y a également 5% de niacinamide, ouais, voilà, qui est un très bon combo. Alors, il le conseille aussi de l'utiliser avec l'essence Hydra de la même marque que je compte me prendre, parce que je ne l'ai pas trouvé dans ma parapharmacie. Apparemment, c'est un nouveau produit. Donc, moi, je sais que là où j'ai été, elle m'a dit, ben non, je ne l'ai pas, c'est un nouveau produit, et du coup, voilà. Elle l'avait pas. Donc voilà pour la marque SVR qui est une marque française. La compo, elle est assez, je dirais, entre guillemets, facile à lire parce que je sais que je crois qu'il faut un petit peu attention à ce qu'ils mettent à l'intérieur, en tout cas dans leur cosmétique. Allez voir leur site, c'est assez sympa et surtout la vidéo de Cyril Laurent parce qu'il l'explique vraiment très très bien. Ensuite, toujours dans la même veine de produits à un petit peu.
un petit peu conventionnel par rapport à ce que j'ai pu encore vous montrer. J'ai pris toujours de la marque SVR, c'est un nettoyant, nettoyant, démaquillant, apaisant, intense, visage, yeux et lèvres, bon, voilà tout le visage. Donc voilà, il est ultra doux, il est sans parfum. Alors, Cyril Laurent n'aime pas les parfums parce que, enfin, surtout dans la green beauty, on va dire, il y a pas mal de, ou de parfums ou de d'huiles essentielles qui peuvent être irritants. Donc, bon, moi, je suis pas sensible, hein, ça ne me concerne pas, mais on peut parfois aussi déclencher une intolérance comme ça, subite, avec. Avec, ça peut être irritant en tout cas potentiellement. Donc c'est un nettoyant vraiment extra doux qui mousse pas, c'est un lait. Alors là ils mettent démaquillant, moi je l'utiliserai pas en démaquillant, c'est plutôt en nettoyant du matin très très doux. C'est vraiment très bien. Vous voyez, donc là ils mettent pas de parfum, pas de parabène, pas d'alcool, pas de tension active, pas de silicone, pas d'huile minérale. Donc ça peut être vraiment un très très bon produit. Et puis une grosse contenance. Il n'est pas très cher, je crois, il coûte à peu près dans les 10 euros. Alors, je me suis rendu compte aussi pendant que, là, depuis quelques jours, quand j'utilise moi le rétinol vraiment uniquement le soir, bien sûr, mais ça vous le savez, hier notamment, j'ai eu, alors, c'est pas des irritations, mais mon visage chauffait un petit peu. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, j'ai pris, alors ça, c'est aussi un produit qu'ils recommandent. Qui apparemment est très bien, de la marque Bioderma. C'est la Cica Bio Crème. Je ne voulais pas montrer. C'est le soin réparateur apaisant. Donc ça soulage, ça restaure, ça assainit. C'est pour les peaux abîmées et irritées. Donc si par exemple vous utilisez un rétinol un petit peu plus costaud que le mien, parce que le mien il n'est pas très costaud, hein, je le supporte vraiment très très bien, vous pouvez venir apaiser avec ce genre de produit. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Ouh là là, à la lumière. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là aussi, ça fait 2-3 jours que je l'ai. J'attends voilà, de pouvoir l'intégrer dans ma routine, savoir comment l'intégrer. Et évidemment, je vous en ferai peut-être, si ça vous intéresse, un retour avec plaisir. Voilà donc pour la phase un petit peu apaisement de la peau et hydratation. Alors l'hydratation, que vous utilisez du rétinol ou pas, et ça il le dit très bien, c'est vraiment la base d'une routine. Empiler les couches et je crois pas plus de 3 sérums hydratants le matin ou le soir et surtout, surtout, surtout le SPF. Bon, voilà. Ensuite, donc là c'est bon pour la partie conventionnelle. J'ai commandé sur Naturissimo. Alors ça a été hyper long pour que je reçoive mon colis, mais bon là c'est la période, c'est un petit peu normal. J'aurais même fait un mail parce que j'ai eu un petit souci. Je n'arrivais pas à retourner sur mon compte. Bon, j'avais plus mon mot de passe, donc j'allais sur le site de Naturissimo et je mettais donc mot de passe perdu. Il s'avère que enfin leur base, leur serveur ne reconnaissait pas mon adresse email. J'ai trouvé ça quand même très 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 bizarre puisque j'ai réussi à passer une commande et puis je sais que j'ai un compte hein, sur le site Naturissimo. Bon, bref, j'ai fait un petit mail au service client Bazar Bio qui m'a répondu, bon, pas forcément rapidement, mais c'est normal, ils doivent être surchargés. Je crois qu'elle m'a mis quand même bien 48 à 72 heures avant de me répondre. Et voilà, en grosso modo, me disant qu'il y avait pas mal de demandes, enfin de travail, on va dire, et qu'il fallait patienter un petit peu. J'ai commandé donc chez RMS Beauty. Alors, comment ça s'appelle? Oui, c'est l'illuminateur en poudre de la teinte Madeira. Donc, c'est un bronzer. Un bronzer un petit peu glowy. Voilà. Donc, j'en avais pas et j'ai trouvé ça sympa pour le printemps. On n'y est pas. J'anticipe un peu. Mais surtout, j'arrive à la fin de mon bronzer de la marque 100% pur et qui est mat et qui est très très bien et que j'adore. Enfin, j'arrive à la fin, j'exagère un peu, mais j'ai commencé à le creuser. Et mais celui-là, il est super beau. Je vais vous le montrer. Mais vous avez dû le voir passer évidemment plusieurs fois. Alors, je suis désolée, la lumière, il fait gris. J'ai mis une petite ampoule LED, j'ai trouvé ça sur Action, très très bon marché, mais voilà, qui me permet au moins d'avoir un petit peu de lumière, parce que sinon, j'aurais vraiment pas pu vous tourner cette vidéo. Le temps est catastrophique.
Est-ce qu'on voit bien? Moi, un petit peu quand même. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est très subtil. Il est moins foncé que le 100% pur. Hein. Il est plus discret. Mais bon, voilà, pour le printemps et pour l'été, ça fera l'affaire. Et le packaging est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et donc pour la beauté, on va terminer avec ma commande iHerb que j'ai reçue. Que j'ai reçue très très rapidement hein, chez iHerb. Ça va assez vite. Et j'avais regardé juste hier en fait le suivi. Et donc il est arrivé à Roissy le 16. Et ben Valérie disait qu'en général, quand il arrive à Roissy, au bout de 2-3 jours, il est dans la boîte aux lettres. Et effectivement, je l'ai reçu donc hier samedi. Et aujourd'hui, on est dimanche. Donc je suis allée récupérer mon colis. Donc aujourd'hui, dimanche, dans la boîte aux lettres. Donc ouais, ça a été très très rapide. Alors, j'ai commandé quoi? Trois petits articles, je vais vous présenter. Hop, on va commencer par Andalou Naturals, donc un nettoyant que je connais, que je rachète vraiment très 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 régulièrement. C'est le lait nettoyant à l'abricot, au probiotique, pardon, extrêmement doux, vraiment très très doux. Mais je dirais qu'en termes de rapport qualité-prix, alors celui-là sent bon, enfin il sent l'abricot, il a une bonne odeur. Et je le laisse essentiellement pour ma fille, hein, vraiment parce que c'est moi je l'utilise de temps en temps, mais c'est surtout pour elle en fait que je l'ai pris. Ça l'oblige un petit peu à se laver le visage parce qu'elle n'aime pas trop ça. Hein, je suis obligée régulièrement de lui dire, elle ne le fait pas d'elle-même. Donc autant lui prendre un produit qu'elle apprécie. Et j'ai envie en même temps de lui donner de bonnes habitudes. Donc ça, c'est important. Donc Andalou Naturals, valeur un très très bon produit, très agréable. Ensuite, j'avais envie de me prendre à la base. Parce qu'en ce moment, je cherche l'éclat. Mais vraiment, je fais en sorte, si vous voulez, d'acheter des produits qui vont apporter de l'éclat, donc vitamine C également. Et là, je suis tombée sur iHerb avec ce produit, la marque Trilogy. Donc apparemment, c'est un nouveau produit. C'est de la vitamine C et c'est présenté comme ça sous forme de poudre, donc à mélanger avec un hydrolat ou de l'eau et ensuite à laisser poser. Je voulais celui de 100% pur qui apparemment a des très 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 bons échos. Mais bon, comme je passais une commande sur iHerb et que la marque 100% pure n'est pas présente sur iHerb, j'ai préféré du coup bah, prendre celui-là et le tester en attendant, voilà, s'il fonctionne, c'est très très bien. Alors surtout, vous voyez, cette commande, rien que ce produit coûte 27 euros. Et cette commande, j'ai dû payer 15 euros. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, je vous laisserai mon code de réduction défiler. Si par exemple vous passez une commande, je crois que vous avez le droit à peu près entre 5 et 10. Non, je crois que c'est 5 $ de réduction. Voilà, donc ce produit, je vais vous le montrer rapidement. Je vous ferai un retour. Donc c'est sous forme de poudre. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'odeur. Ah oui, non, mais d'accord. Ok, super. Ouais. Oui, voilà, donc c'est une poudre comme ça. J'espère que ce ne sera pas trop irritant. Je vais voir comment l'utiliser, mais je crois que c'est juste à mélanger avec de l'eau. Ah, c'est une poudre à mélanger avec de l'eau, à laisser poser, je crois, ou alors à mélanger avec son hydratant, pourquoi pas. Donc, je vous en dirai des nouvelles. J'espère vraiment qu'il va m'apporter de l'éclat. Ensuite, dernier produit, et là, j'ai été totalement, totalement, totalement influencée par Valérie qui en a parlé également dans sa vidéo. C'est la marque Acure. Il me faisait vraiment de. Très envie ce produit, c'est le Seriously Smoothing Solid Serum 3 en 1. Donc pour faire simple, c'est un baume au Blue Tansy. Hop, que je vais vous présenter. Hop, il est comme ça. Ah, avec ces lumières, c'est pas possible. Voilà. Bon, quand je l'ai reçu, le pot était un petit peu ouvert. Ah, cette jolie couleur, je ne l'ai pas encore utilisée, hein, bien sûr, parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Là, je sens pas trop comme ça. Il faudrait que je l'utilise pour là, comme ça. Je sens si, une petite odeur quand même. Ben, l'odeur de Blue Tansy, moi j'aime bien. Je trouve ça assez agréable.
Et pareil, bon, bah, il est pour les peaux normales à sèche, je crois. Non, pour les peaux normales à sensibles. Et voilà, ça, je pense que ça va être génial avec mon rétinol aussi pour en baume le soir. Je vais voir comment je vais l'inclure, mais je pense l'inclure bientôt dans ma routine. Voilà pour iHerb. Et on va terminer donc avec l'article mode dont je voulais vous parler. Donc c'est sur le site Horta Store, donc qui est un site belge. Et elle fait fabriquer, je crois, il me semble, hein, en France, il me semble à confirmer. Et je lorgnais de. En fait, elle a sorti sa collection. Je crois qu'elle sort des collections. Enfin, elle avait sorti une collection tout récemment. Et j'avais vraiment flashé sur un de ces articles qui est le gilet Jamy, qui s'appelle comme ça. Et je crois que voilà, il est parti, enfin ça part très très vite, hein. C'est très souvent out of stock en l'espace de une dizaine de minutes. Et donc j'ai réussi à le choper en taille XS, donc ma taille. Et en fait j'avais reçu le mail de notification de réassort. Je pense que c'est un renvoi, un retour client. J'en suis quasi certaine en fait. C'est un retour client. Donc il l'avait mis en stock à 16h. 16h je reçois le mail de notification. Et je ne vous mens pas, à 16h02, j'étais sur le site alors que j'étais au travail. Enfin, c'était vraiment un total hasard parce que c'était à ce moment-là où j'avais regardé la notification. À 16h02, l'article était dans mon panier et du coup, voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai commandé de suite parce qu'il me plaisait énormément. Donc, je vais vous le montrer. Il est là. Donc, chez Horta, on reçoit toujours les articles très joliment emballés dans un petit tote bag. Donc là, cette fois-ci, il est rouge. La fois d'avant, je crois qu'il était blanc. Ça sent très, très bon. C'est très agréable. Vous avez là le petit merci et ça c'est en cas de voilà en cas de retour, ce qui va pas être mon cas hein. C'est certain. Donc c'est le gilet Jamy et j'ai pris donc il y a deux versions, version écrue et version noire. Donc moi j'ai pris la version écrue que je trouve toujours plus flatteuse en fait sur mon teint. Hop, alors donc c'est voilà, c'est un très beau gilet. Très doux, très molletonné, vous voyez, qui se présente comme ça. Hop, est-ce que vous voyez bien? Oui, j'espère. Alors, la composition, d'abord. Je vais quand même vous citer la composition. Il me semble qu'il y a de la laine, hein, je crois. Oui, vous avez 40% de laine mérinos, 30% de viscose, 20% de polyamide et 10% de cachemire. Voilà, donc on sent vraiment qu'il est. J'en ai un du même style de la marque Uniqlo et je vous assure que c'est pas du tout la même qualité, hein, vraiment. En même temps, c'est, je l'ai pas payé le même prix aussi. Il a de jolis boutons, hop. Il a donc décolleté en V, hein, bien sûr, hop, comme j'aime. Et il est assez court, hein, il est assez court et il a des petits boutons vraiment top, très jolis, très classe. À mettre avec un petit caraquo en dentelle. Moi j'aime bien les caraquos en dentelle de chez Damar. Voilà, donc je regrette absolument pas mon achat. Et puis voilà, donc c'était vraiment le pull pour moi, enfin le gilet. C'était vraiment l'article que je pensais pas choper parce que je sais que chez Horta ça part déjà très très vite. Et puis quand ça part, j'avais d'ailleurs même demandé est-ce qu'il y allait avoir un réassort. Elle m'a dit que non et que malheureusement qu'il n'allait pas avoir de réassort et qu'il fallait éventuellement attendre les retours clients. Donc là, je pense que c'est un retour client. Et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez joli. Moi, j'aime bien. Je vous le montrerai également porté sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, salima1666. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc je pense avoir terminé. Oui, j'ai terminé. Alors, j'ai pas mal d'idées de vidéos encore à faire. Il faut que je vous tourne une vidéo produit terminé. Éventuellement, peut-être une vidéo favori, mais là, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'avais également envie de vous parler de ma routine.
visage. Et puis voilà. Donc je vous souhaite du coup de bonnes fêtes. Si vous êtes en congé, profitez-en bien. Et puis bon, bah, j'espère qu'on se reverra du coup très très bientôt. Je pense peut-être revenir en vidéo. Je ne sais pas, ou faire une pause. On verra. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Bye.